Alléluia. Amen. Bonjour les mamans, les femmes fortes. Amen. Ok, j'espère que vous allez bien. Donc les mamans, aujourd'hui, notre réunion, c'est pour parler des différentes cotisations que nous allons faire vraiment par rapport à nos activités. Donc le premier point, il s'agit d'une de nos sœurs dans l'église qui a des difficultés pour payer ses études. Elle est orpheline de père et de mère. Sa famille vraiment n'est pas présente pour elle. Oh, et elle est venue me voir pour dire qu'elle a vraiment besoin d'argent pour payer sa scolarité. Si d'ici la fin de cette semaine, elle n'a pas cette somme, elle sera renvoyée de l'université. Donc les mamans, je compte sur vous. J'ai besoin de 10 000 dollars pour notre soeur qui a des difficultés. Lève-toi ma fille. Tu passes mes voix après. D'accord? Ok. Grâce à Dieu vraiment pour acclamer le Seigneur. Merci beaucoup à maman Versace. Donc le deuxième point, c'est vraiment par rapport à notre fête. Donc nous les femmes de l'église, on a une fête à la fin de l'année. Donc vous savez que c'est notre moment vraiment de venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette année. Donc j'ai besoin vraiment de quelqu'un ou des personnes, ça peut être plusieurs personnes, qui peuvent donner 5000 dollars pour que nous puissions organiser notre fête de fin d'année des femmes de l'église. C'est combien au total je prends? Versace! Maman Versace! C'est 5 000. Oui. Oh, yeah. On va prendre les restes. Oh wow. Nous remercions le Seigneur pour la vie de Maman. Que Dieu bénisse Maman. Wow, femme de feu. Qui te peut? Alléluia. Donc pour le dernier point. Amen. Les autres mamans aussi pouvaient participer. Parce qu'il y a des grâces et des bénédictions attachées à tout ça. Donc vous pouvez participer. Donc, notre dernier point, c'est par rapport à l'évangélisation. Nous allons aller visiter les itinérants, les gens qui sont dans la rue, les mendiants, les pauvres, pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Mais il nous faut des vivres. On a décidé d'aller leur partager des bibles, la parole de Dieu, avec un peu aussi de nourriture. Donc, pour ça, on a besoin de 15 000 dollars. 15 000 dollars pour la campagne d'évangélisation. Toujours vers ça. Donc, vraiment, les mamans. C'est beaucoup, vraiment, je me rappelle plus, mais je vais vous envoyer la facture après avec les détails. 50 000. 50 000. Alléluia! Gloire à Dieu! Vraiment, je bénis le nom du Seigneur de nous avoir donné de telles femmes comme maman Versace qui sont prêtes à investir dans l'œuvre de Dieu. Que je la bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous toutes. Maman Versace. Amen. Donc, vraiment, nous rendons gloire à Dieu. Donc c'est fini, par la grâce de Dieu, on va pouvoir mettre en place toutes nos activités avec l'argent que Dieu a permis que nous puissions avoir aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne semaine, on va prier. N'oubliez pas de mentionner mon nom dans les annonces. Les annonces, oh pas de soucis, maman Versace. Que je vous bénisse, qu'il bénisse vos affaires. Amen, donc on va prier, on va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. T'as mis ton nom dans l'annonce. Prions. Bonne semaine les mamans, que je vous bénisse. Amen. Amen. Tu viens me voir après. Maman Versace. Tu as besoin d'argent. Madame, tu veux nous en transport? Oui. Nous en transport? Oui. Ok. Nous voilà. Vous allez voir mon gars du corps parce que j'ai un appel. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon week-end. Hey, maman Versace. Oui, allô? Allô, Viviane? Oui. Viviane, c'est ta jumelle. C'est Maté, ta soeur, ta jumelle.
On n'a jamais besoin de toi, Viviane. Comment ça? Viviane, on a besoin de toi, on a besoin d'argent. J'aime pas l'argent. J'aime pas l'argent. C'est un cas de maladie. Qui est malade encore? Vous, toujours les gens sont malades. Vous n'êtes pas reconnaissant pour ce qu'on vous donne. Je vous ai déjà envoyé l'argent il y a un an. C'est maman, notre mère, maman. Mais elle va guérir, faut prier. Prie pour elle, je n'ai pas l'argent. Viviane, ta propre maman. Ta propre maman, Viviane. Oui, ma propre maman, et puis quoi? J'ai dit, je n'ai pas l'argent, faut prier pour elle. Vous êtes là-bas, vous n'êtes pas ses enfants aussi. Il faut prier pour elle, je n'ai pas l'argent. Viviane, Viviane, ta propre maman, ta famille, ton sang. Oui, je n'ai pas l'argent. Je viens prendre ma voiture comme ça pour partir. Je n'ai pas l'argent. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Viviane, s'il te plaît. Viviane, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Viviane, pardon. Viviane, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Viviane, pardon. Viviane, pardon. Je te rappelle après, s'il te plaît, parce que je suis fatiguée. Je te rappelle après. Aïe, Jésus. Viviane. Ah, et puis elle a coupé. Ah, Viviane. Quelle histoire ça là? Vous toujours, on doit vous donner l'argent. Comme si les gens se réveillent sur l'argent. N'importe quoi. D'Addis Abeba et de Paris. Oui. Je viens à peine de déposer ma valise là. Oh. Oh, oui. Ah, ça s'est très bien passé, hein? Tu m'as vu? J'ai cru t'apercevoir à la Fashion Week de Paris. Ah, mais oui. J'ai cru t'apercevoir. Parce que je devais vite aller au magasin d'Apple là pour prendre. Pour prendre le dernier Apple là. Donc écoute, j'ai dû courir parce que ma limousine même m'attendait. Excuse-moi, depuis qu'on est au téléphone, j'ai l'impression d'avoir d'autres appels. Je veux juste vérifier. Celle-là encore. Vous êtes au village, vous emmerdez les gens. Arrêtez d'emmerder les gens, je vous ai déjà dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Coupe-moi ça. Je vais même bloquer le numéro. Oui, allô? Excuse-moi, oui. Mais c'est pas important. T'as aimé, hein? Ah oui, mais c'est le créateur. Ah, mais un nouveau créateur. Il a tout déchiré. Est-ce que t'as vu l'habit qu'il a confectionné pour moi? T'as vu le manteau que j'ai posté sur ma story, là? Oh my god, c'est lui qui l'a fait. Et Addis Abeba, j'ai pris un collier, genre le collier tendance. Oh mon dieu, je te jure, je vais retaper ce style encore un de ces quatre. Franchement, c'est mon styliste maintenant, quoi. Genre, je change plus du tout. Mon dieu. Oh, appelle-moi Maman Versace. Maman Versace. Ah. Ah mais oui, je n'ai pas ce nom-là par hasard. Mais oui.
Je te contacterai la semaine prochaine pour notre voyage à Dubaï. Mais bien sûr, alors. Oui, oui, bye, bye. Prends soin de toi. Oh. Il est grand temps que j'emploie les domestiques là, là. Mais franchement. Oh, alors. Avec ma petite bouteille de liqueur. Oh mon Dieu. Ça me fera du bien. Oh mon Dieu. Bonne liqueur et en plus, une bonne liqueur bien posée. Ah oui, ça je l'ai payé en Espagne. Je vais devoir y retourner, mes écarts. Santé à moi-même, à la richesse Esmeralda. Oh!